Salutations, nous nous retrouvons à nouveau sur Jack and Dexter, premier du nom, et nous sommes au village, de retour au village. Et nous allons parler un petit peu aux villageois histoire de voir s'ils n'ont pas des orbes à me donner. Et apparemment, enfin, d'après mes souvenirs, ils en ont. Du coup, bonjour. Ah, bien le bonjour mon garçon. Ta visite ne tombe pas vraiment au bon moment. J'allais partir pour l'une de mes explorations hier, quand j'ai réalisé que j'étais à court d'orbes précurseurs. J'aurais pourtant juré que j'en avais 90, mais je crois que ton jeune ami, tu sais, l'espèce de sale petite vermine teigneuse, les a probablement chapardés pour s'amuser. Bref, passons. Prêterais-tu 90 orbes précurseurs à ton cher oncle pour qu'il puisse se remettre en route? Je t'offrirai une pile d'énergie en échange. Mettez mon oncle. Je vois que vous revenez pour l'échange. Bien, bien, très, très bien. Et vous avez le nombre d'orbes précurseurs prévu. Faites bon usage de cette pile d'énergie bien méritée. Ciao, salut, bye bye. Ciao. Hein. Bon, à moi. Bah, il m'en reste 88. Hein. On va peut-être aller par là, histoire de progresser un peu. Salut. Il faut traverser Yako. Il faut traverser Yako. Oh, c'est toi. Oh, j'ai reposé juste mes vieux os. J'ai essayé de faire rentrer ces vaches toute la journée dans leur enclos. De drôles de créatures ont tenté de me les voler. Pour aider un vieil homme en les ramenant dans leur enclos. Bah, je vais essayer. Attends, hop. Alors, j'en ai 90 à nouveau. On peut refaire un échange. Le canyon de feu, c'est la suite du jeu, hein, du coup, c'est pas maintenant. Comment on les attire dans l'enclos? Comme ça. Allez hop. Et dehors. Parfait. Salut. Pas dans le trou. Voilà. Et pas de trou. Et la petite dernière. De fermier nous doit une pile d'énergie. Allons lui parler. Bah, il va nous donner, hein. J'espère, ah, du moins. Bien joué, petit gars. Tu as réussi à ramener ces sacs à puces. Je vais te dormir tranquille. Prends cette pile d'énergie pour tes efforts. Oh, merci, hein. C'est sympa. Hi-ha ! C'est le trophée que je viens d'obtenir. Un grand plaisir. Voilà, c'est mieux. Faut pas y accéder comme ça, là-bas. Si, si.
Regarde un peu cette sculpture sur les rochers là-bas. Deux piles. Deux petites piles d'énergie gratuites. Ça doit être un oracle précurseur dont le sage parle. Qui réveille l'oracle? Oui. Attendez, l'un d'entre vous détient la lumière. Depuis l'éternité, j'attends le retour du véritable héros. Présentez-moi 120 orbes précurseurs pour chaque pile d'énergie que je contiens. Non, il en veut 240, hein. Ouais, bonne nuit. Hein. Pas pour tout de suite, hein, monsieur. La jungle interdite. Let's go. C'est un peu moins accueillant déjà que la plage, je trouve. Niveau accueil, je préfère la plage. Dommage. Je pensais que ça passait, mais non. Ah, c'est pire que tout, ça, ce coup. Bah. Je peux pas être aussi mauvais. Apparemment si, hein. Oh, voilà. Mais non, mais alors là... Oh. Tu veux dire que je me suis fatigué pour rien? Oui. De toute évidence, oui. Comme dirait le JDG, c'est un jeu à pas de tourne. Bah oui. Mais il est bien le jeu. Ouais. Malgré le fait qu'il y ait des patounes partout. On devrait demander aux pêcheurs de la rivière de la jungle si on peut prendre son bateau pour foncer à l'île de la brume. En fait, on fait, comme d'habitude, on demande pas la permission et on le fait quoi. Fais-moi plaisir, évite ces boîtes d'écho noir. Bah, je ferai de mon mieux à l'avenir. Prochain coup on meurt, faut faire attention. Pour l'instant, bah on en a zéro. Hein. Yeah.
s'est joué un poil de fiac. Ah bah bien joué. Le coup de poing à côté là. Pansement brancard. Les deux. Chewing-gum. Bien joué, Daxter. Ça se moque de son ami décédé. Montons sur cette machine et brisons le miroir qui dévie le faisceau précurseur. Oh là. Ces espèces de tours dans la jungle doivent rediriger le faisceau écho. Allons les traficoter. Ça devrait être faisable. Mais comment on les traficote? On va le pêcheur. Ça va, mon pote? Y'a quoi dans votre panier? Rien d'intéressant. Ces monstres de l'océan ont dévoré mon matériel de pêche. Et depuis, ils avalent mes prises. J'ai tout essayé. Mais je n'attrape plus rien dans cette fiche rivière. Vous, votre haleine, sûrement. Tu crois que tu peux faire mieux? Essaie de pêcher avec ce petit filet. Je te donne une pile d'énergie si tu ramasses 200 kilos de bestioles. Et vous laisse à toi et ta crevette mon bateau pour aller à l'île de la brume. Bah merci. Alors, tu veux tenter ta chance? Il y a deux types de poissons à prendre. Ceux d'un kilo et ceux de 5 kilos. Si tu laisses passer 20 kilos de bons poissons, je te reprends mon filet. Il y a des anguilles toxiques dans ces eaux. Si tu attrapes une de ces sales bestioles, elle empoisonnera toutes tes prises. D'accord, bah ça devrait être faisable. En voilà. Ah. Il y a déjà 5 kilos de passé, quoi. Ah là là, on rejoue. Ok, 18 kilos pour l'instant. On a tout fait de travers. Allez, hein. Un petit peu de concentration là, monsieur. Oui, c'est vrai qu'avec un plus grand filet, bah j'y arrive. Hein. Ah, dommage. On est à 100 kilos. On a la moitié. Oh, le petit bord d'anguille. C'est bon, pied de
T'as peur de gagner, toi? Tu l'as fait! T'as pris 200 kilos de poisson! Pas trop mal pour des marathons. Voilà la pile d'énergie promise. Et tu peux prendre mon bateau au bord du village, quand tu voudras. Pêche miraculeuse! Hé hé hé! Le talent, mon gars! Ça rigole bien. Bon, l'important c'est qu'il est heureux. C'est vrai. On va pas se remettre en cause. Bon. Ah oui, ok. On ne peut pas sortir d'ici. Là, il y a un truc de foudre. J'ai vraiment sauté en mode no brain. Bon, j'ai essayé. Hein. J'ai envie de réessayer. Hein. Je suis sûr que ça passe. Comme là, j'ai envie d'essayer. Hein. Voilà. Je suis sûr que ça passe. Voilà. Les autres orifices d'écho.
Oui. Ah. Ça fait cuck. Oh. Salut toi. Ah, t'es plutôt mignonne pour une plante. J'ai compris un peu la mécanique. Il va y en avoir trois là. Bah. On est bouffé. Bon appétit bien sûr. C'est pas ça que je voulais faire. Arrête, hein. Vois bien ce que tu fais, hein. Voilà, la règle 2-3, j'ai gagné, hein. Mauvaise graine. Oh, trop bien. On va essayer de ne pas mourir. On a eu chaud, hein. Il faut que tu te recharges avec ce truc bleu pour ouvrir ça. Merci, Daxter. Ah ben merde. J'ai dit un truc déchirant à l'enterrement. Du genre... Mais comment est-ce que je vais redevenir normal maintenant? Bon, la question reste complète, hein. Après... Sans vouloir être méchant. C'est plus beau comme ça, hein. Amicalement. C'est limite une bénédiction. Oh bah c'est pas moi ça. Ça remue du cul. On en est à combien là? Nous en manque deux. Trois pardon. Collecte les... Ok. Il en manque deux.
Ouvrir la porte fermée du temple. Collecte les faisceaux d'écho. Ok. Il y en a une là-bas déjà. Là, il nous faut des rayons bleus. Bon, il faut ramener un truc bleu là. Mais la question c'est où? Où et comment? Est-ce qu'on peut faire le chemin inverse? Ah oui. Du coup, c'est bon, je sais comment. C'est un misplay, ça. Ah, comment on s'en sert de ça? La porte est encore ouverte, malgré tout. Cette pause. Aligne le faisceau en le pointant vers la tour suivante. On peut suivre le faisceau pour trouver la tour suivante. Bon, un peu, qu'est-ce qu'il faut faire? On a plus que deux, les mécamouches et ça. Et les mécamouches, il m'en manque une seule. Très bien.
gueule encore, quoi. Vraiment, il est là, il vit sa meilleure vie, hein. Tant mieux, hein. On a rangé un numéro, c'est beau. C'était la méca mouche. Ça fait mal, hein. On a perdu un point de vie. Des sables. On devrait aller dire à ces moulins paroles de mer qu'on lui a rendu un service en connectant les faisceaux d'énergie du village. Il manque une méca mouche. Mais où peut-elle être? Ça c'est le village. Ouais. On est encore considéré comme dans le village. Alors, jungle interdite. On retourne voir le maire. Il est mis comme ça. J'ai aucune idée de là où elle pourrait être. Que ça passait large. Vers le village pour parler au maire, et surtout on va retourner à la plage parce qu'en fait maintenant qu'on a débloqué comme il a dit tous les faisceaux bleus, bah logiquement le faisceau bleu de la plage doit être activé, et du coup bah, on a accès on a un accès pour aller chercher la dernière de la plage. Du coup, on va aller la prendre. My bad. My bad. Bien! Vous avez assez de piles d'énergie pour alimenter mon bouclier thermique. Retrouvez
trouvez-moi au canyon de feu, sur la falaise, derrière la maison du fermier. Amenez les piles d'énergie et dépêchez-vous, mon père a vu de nouveaux lurkers. D'accord, mais avant j'ai des trucs à faire. Hé hey, allons au port voir le bateau de Mirou qui fouette. Ouais, on va y aller après. Laissez-moi faire. Quelle vision merveilleuse! Oh, grand merci! Et tout le village va me remercier! Vous avez ramené l'énergie au village et assuré ma réélection! Et pour ça, mon garçon, voici une pile d'énergie! Oh, merci! Ah, vous avez l'intention de faire un don, bien? Il est conséquent, hein, j'espère. Wouhou! Oh oui, c'est un don conséquent, en effet. Eh bien, j'espère que cette pile d'énergie vous dédommagera équitablement. Merci, mec. C'est un plaisir. Hop. J'attendrai à l'entrée du canyon de feu, au sommet de la falaise, derrière la maison du fermier. Mais j'avais oublié que t'étais chiante. Ok, il me manque deux mécamouches dans le village. Mais avant, toute chose... nous allons... Je vais parler à lui, je crois pas. Oh, mes amis! Vous n'avez pas trouvé ma muse. Ah, bah d'accord. Normalement il est activé. Hein. Ouais, il est activé en gros. Et voilà. Je veux pas sauter en fait. Je veux récupérer ça là. On peut pas. En gros, je vais utiliser le canon, je vais. Salut. Bon voilà. Mais... Dommage. Dommage. Mais la plage est terminée. La jungle interdite c'est terminé et l'île de la brume, bah faut y aller. Mais on est vachement en avance, hein. On a déjà tout ce qu'il faut pour partir, alors qu'il nous reste l'île de la brume à explorer. En même temps on est plus ou moins en 100% là.
Bon, ben merci d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite. Au revoir.